dernière de Solidaires d'abord hein, pour cette saison, puisque la prochaine fois, vous aurez des émissions de vacances. Hein, je suis en train de demander aux techniciens qui assurent. Là. Voilà, donc la prochaine fois, des émissions de vacances. Mais là, nous, on n'est pas encore en vacances. Ce soir, on va parler élections et on va parler impôts. Bon, on va parler surtout modèle de société. Qu'est-ce que c'est le modèle libéral et qu'est-ce que c'est le modèle collectif, je ne sais pas comment dire. Social. En tout cas, intérêt général avant tout. Donc, modèle social, tu as peut-être raison. Ouais. Ou humanitaire. Ou ouais, humain, je sais humain, pas. Quoi. Humaniste. Humaniste, voilà. Alors, tout ça parce qu'on a deux candidats au deuxième tour, puisque vous avez sûrement entendu que, voilà, il y a eu les résultats hier soir. On a au deuxième tour un monsieur qui s'appelle Brun. Non, pas Escartefille, et puis une dame qui s'appelle Palou. Et donc, ils sont porteurs tous les deux de deux modèles de société très différents, hein, me semble. Complètement différents. Ouais. Avec un qui est surtout préoccupé par, on va dire, la retraite à 65 ans, hein, ça, c'est complètement compatible pour lui, là. Taper sur les gens, hein, parce que c'est la sécurité globale ou c'est plutôt la loi anti-casseur. Enfin bon, il a voté la loi anti-casseur, moi je sais, parce que je me suis retrouvé en tant que gilet jaune à l'interviewer là-dessus. Et il nous expliquait que oui, il fallait quand même se rendre compte que là, depuis trois mois, la France était quasiment dans un moment insurrectionnel, et c'était insupportable et qu'il fallait à tout prix que mater tout ça. Et donc il a voté la loi anticasseur à l'époque. Loi anticasseur que, tenez-vous bien, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 90 députés LAREM ne voulaient pas voter cette loi parce qu'ils trouvaient que ça faisait vichiste. D'accord ? Ils trouvaient que c'était vraiment trop à droite, quoi. Et donc, ils ont eu l'aide des LR qui est venu les sauver, ceux de LAREM qui restaient pas assez nombreux pour voter cette loi anti-casseurs, ont eu l'aide de LR. Et moi, j'ai peur que si au deuxième tour, au national, les résultats sont un peu justes pour Macron, c'est-à-dire qu'il a 220, 230 députés peut-être, il aura aussi les 50 qui vont arriver de LR qui viendront pièce rapportée. Et du Rassemblement national aussi. On peut faire confiance au Rassemblement national pour venir épauler, surtout pour les lois sécuritaires. Absolument, parce que comme tu le rappelles, là, Marine Le Pen, lors de cette loi anticasseur, avait voté, bien sûr, pour cette loi anticasseur. Donc elle est pour le peuple, elle est pour assommer le peuple un peu plus fort à chaque fois. Quoi. Oui. Mais il ne faut pas oublier, disons, que tous ces gens sont de droite. Hein. Ouais. Alors ils ne sont pas forcément d'extrême droite. Hein. Oh, il y a la droite, droite et la droite extrême. Voilà, il y a la droite extrême. Voilà. Donc c'est quand même un modèle différent, c'est un modèle qui défend le néolibéralisme, le capitalisme, hein, et qui offre peu de place, disons, à l'individu, à la société, disons, solidaire. Voilà, parce que M. Brun, donc Pierre nous le rappelait hier soir, parce qu'on était au local de campagne pour voir ses résultats, nous journalistes, hein, Denis et moi, hein, évidemment, et on a pu entendre Pierre Souchon, le suppléant de Florence Palau, nous expliquer que M. Brun n'avait pas voté l'ISF pour l'ISF, parce que lui trouvait que ça n'allait pas assez loin. Pour la suppression de l'ISF. Pour la suppression de l'ISF, parce qu'il trouvait que ça n'allait pas assez loin. Oui, il voulait aussi la suppression de l'impôt sur les immobiliers. Voilà, ouais. Ah ouais. Et en même temps, il a voté pour le CICE, pour la création, etc. Donc ils sont dans un modèle où l'argent va vraiment aux entreprises, va au privé, etc. Et tu sens bien, Amalia, que tout doucement, je m'approche vers toi. Parce qu'en face, il y a Florence qui, elle, n'est pas pour un modèle comme ça. Hein. Mais peut-être on pourrait parler de la différence entre les deux modèles, justement. Le modèle où il y a des prélèvements, des impôts, hein, voilà, c'est-à-dire qui nous permettent d'avoir une société solidaire et le modèle où on n'a que du privé. Moi, je me suis plus particulièrement intéressée aux cotisations sociales parce qu'il y a très peu de temps, M. Macron proposait de baisser les cotisations salariales, pas les cotisations patronales avaient déjà été baissées depuis les années 90 très largement.
Et donc, il proposait de baisser les cotisations salariales, les cotisations qui sont payées par les salariés, pour, entre guillemets, augmenter un petit peu leur pouvoir d'achat. Alors, j'ai voulu me plonger sur ce que c'était que ces cotisations, qu'on appelle, qu'on entend souvent nommer charges. Charges. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que ces cotisations ? Donc, ces cotisations, elles sont prises directement par un organisme qui s'appelle l'URSSAF sur la part des salaires, sur les salaires des travailleurs. Et à quoi servent-elles ? Elles servent à financer notre modèle social, c'est-à-dire la sécurité sociale, la famille, la retraite et maintenant aussi le chômage. C'est un salaire différé. C'est un salaire différé. Donc, quand on propose de supprimer, de baisser les cotisations, en réalité, on baisse également le salaire, mais on baisse un salaire différé, un salaire qui nous revient sous forme de services et de prestations. Voilà. C'est-à-dire que quand ils nous disent « on va, grâce à ça, vous augmenter les salaires », c'est absolument faux, parce que, en fait, c'est des vases communicants, ils vont piquer sur nos salaires un petit peu, ce salaire différé, pour le faire apparaître plus... Alors les gens vont être peut-être plus sensibles à avoir quelques euros de plus dans leur poche, mais ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas accès à certains services publics, à la santé, etc. Ça va forcément limiter les services publics. Et puis s'ils cotisent moins, ils auront moins aussi au moment du calcul de leur retraite. Bien sûr, donc au fond, c'est comme une avance, quoi, qu'ils se font eux-mêmes. C'est pas exactement du tout l'État qui leur fait un avantage. Enfin, voilà. Les cotisants payent pour les retraités. On ne paye pas pour sa retraite, les cotisants payent pour les retraités. Il y a un différé, disons, les actifs payent pour les retraités. Mais si on ne cotise pas aujourd'hui, si on cotise moins, si on nous propose, disons, de dépenser tout de suite notre argent, que notre brut, disons, parce qu'il y a une différence entre le brut et le net, hein, c'est ça, hein, oui. Au fond, hein, tout ce qu'on appelle charge, mais qui est au fond, pour le salarié, ce sont des cotisations. Et pour le patron, c'était des charges, mais pour le salarié, c'est bien des cotisations. Il aura demain un bénéfice quand on va faire. On est tous des retraités, là. Donc, quand on est allé faire nos calculs, c'est bien en fonction de nos cotisations sociales, disons, qu'on nous a calculé notre retraite. Hein. Ouais. Plus on cotise, plus on perçoit de retraite. Donc, si on cotise moins, on perçoit moins. On recevra moins en termes de services. Public. En plus. Voilà. En plus. Et puis c'est un tour de passe-passe, parce qu'on va nous faire croire que le patron peut augmenter comme ça le salaire des gens. Non, c'est absolument faux. Le salaire lui-même, il reste le même. Donc le salaire brut, comme tu disais, il reste exactement le même. Sauf que voilà, la part des cotisations n'est pas la même. Et on va faire apparaître, comme par magie, un peu d'argent qui ne coûtera rien au patron. Par contre, nous... à un moment, on va le payer. Le salarié paiera en différé. Mais on peut le payer cash de suite, parce qu'à la personne qui cotise au moins, elle peut être malade le lendemain et se retrouver avec moins d'aide à maladie ou des hôpitaux fermés. Ou voilà. En fait, les gens qui cotisent au moins, ils risquent de le payer, ils peuvent être dans la retraite, ils peuvent le payer cash de suite. Et personne n'est à l'abri de ceux qui travaillent, ils se retrouvent au chômage. Donc voilà, ils peuvent le payer du jour au lendemain. C'est même pas différé, là, c'est du de suite. Alors ça, c'est donc un autre modèle de société. On a deux modèles de société, l'un à côté de l'autre. Le premier, tu nous rappelais, Amalia, qu'il y a un historique, ça vient du Conseil national de la résistance. Voilà, en fait, cette idée de pot commun, en fait, hein, tout le monde met la main à la poche, tout le monde met de l'argent dans le pot, et ensuite on redistribue ce qui est dans le pot, c'est une idée qui est vieille comme l'être humain. Et il y a déjà eu des tentatives par le passé... dès 1673, c'est la création du premier régime de retraite pour les marins par Colbert. Bon, alors il y a eu toute une évolution, mais le moment clé pour nous, c'est le moment que je trouve toujours, quand j'y pense, très 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 émouvant, parce que c'est le moment où s'écrit le programme du Conseil national de la résistance. Ces résistants qui sont vraiment au plus noir de l'histoire, de la guerre, et qui se réunissent pour imaginer ce que pourrait être notre société, la société de demain. Et ils appellent ce programme « Les jours heureux ». Et dans ce programme, ils jettent sur le papier tout ce qui fait
les bases de notre société, de notre modèle de société actuelle. Tout ça pendant la guerre. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Ils sont en train de subir la guerre et ils sont en train d'essayer d'inventer l'espoir. Exactement. Voilà. Donc c'est quand même... moi je trouve ça très beau. Oui. Alors nous, on n'est pas en guerre là, mais on pourrait inventer l'espoir avec Florence. Exactement. Avec la dupe. Avec la dupe. Sans aucun doute. Excusez-moi de t'avoir coupé. Pas du tout. Non, c'était simplement pour dire que l'idée clé de ce programme, c'était de permettre à tous ceux qui n'étaient plus en mesure d'assurer leur subsistance et leur sécurité par le travail, puissent être soutenus par le collectif. Voilà, c'est ça l'idée phare. Et donc petit à petit, depuis les années 90, on voit bien que ce modèle-là est en train de se détricoter petit à petit. Giscard déjà a commencé à détricoter tout doucement. C'est un coin, quoi. C'est comme un coin, tout doucement, ça rentre, et voilà, ils essayent à tout prix de faire sauter tout ce qui est social, tout ce qui était. Voilà. Et au niveau de l'argent, hein, ça a commencé avec les banques centrales au moment de Pompidou, hein, tout ça. Hein. C'est-à-dire que tout doucement, le capital reprend un peu la main sur la solidarité. C'est pas un peu. Ça a changé au moment de, disons, un petit peu une manière mondiale, mais avec Thatcher et avec Reagan. Ah, C'est en 80. C'était même en 60. 13, non, je crois, ou je sais plus. Thatcher, non, c'est... Non, Thatcher, c'est plus tard. Et la seule chose que Thatcher n'avait pas réussi à attaquer vraiment, c'était justement la santé pour les Anglais. Et ils ont vécu ce que nous, on est en train de vivre depuis 20 ans avec les ARS. Ils ont vécu ça, eux, entre 80 et 2000. Et donc, leur système de santé est complètement exsangue, maintenant. Ouais. Donc, justement, il n'y a plus de solidarité. Mais ça, c'est le modèle Thatcher. Il commence à faire marche arrière sur certains sujets. Oui. Il commence à s'apercevoir que c'est pas tenable. C'est pour faire marche arrière, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Rappelons qu'en France aussi, au niveau de la sécurité sociale, on est soigné pas du tout en fonction de la somme qu'on cotise, mais bien en fonction de la maladie et des soins qu'il faut apporter. C'est ça, on cotise selon nos possibilités financières et on reçoit selon nos besoins. C'est hyper important. Quoi. Mm-hmm. Et ça serait important aussi qu'on rende hommage à Ambroise Croizat. Parce que rarement on nomme son nom. Il avait pour défaut cet homme d'être du Parti communiste français. Marcel Paul, qui s'est occupé de l'EDF, était aussi du Parti communiste. Voilà. Donc c'est sans doute pour ça que son nom est rarement communiqué. Et j'avais appris même que dans les écoles d'infirmiers ou d'infirmières, le nom était... les gens ne le savent pas. Il n'est pas enseigné alors qu'il devrait être enseigné. Je vais prendre des risques là. C'est vrai que c'était un moment où être communiste, ça voulait dire vraiment quelque chose sur le commun, mettre en commun. C'est vrai qu'il me semble que depuis un certain moment, mettre le communisme, c'est devenu aussi préserver le parti à tout prix, arriver à le faire survivre, et donc il y a eu tout un ensemble de... compromis. Voilà, d'ailleurs, compromis, on va dire. A-t-on déjà vécu le communisme, vraiment ? Non, que c'est pourri, mais on nous prend disons, les Khmers rouges ou Lénine, oui. Mais est-ce qu'on a vraiment vécu le communisme proposé par Marx? Oui, et c'est vraiment un système où enfin on pourrait arriver à tous se regarder dans les yeux sans, hein, normalement. Où il y aurait une solidarité, un respect, de l'amour entre les gens. Hein. On dit rarement politique, mais c'est vrai qu'on a besoin. Hein. On a besoin, disons, de se respecter, de se considérer et d'être solidaire. Alors, justement, dans le programme de Florence, et ça n'est pas un programme communiste, mais le mot commun est présent, beaucoup, hein, dans ce qu'amène la NUPES. Hein. Et d'une part, c'est pas quelqu'un qui est tombé, c'est pas l'oiseau qui vient tomber du nid, Florence, quand même. Elle a participé à plein de choses, entre autres en étant prof dans un lycée où ça a bougé, hein, il y a pas assez récemment encore. Elle était un peu cheville ouvrière d'un mouvement qui s'est passé en lien entre le personnel administratif et les profs du lycée Vincent d'Indy, dans lequel elle travaille. Mais pas que, elle a fait aussi d'autres choses.
Oui, oui, bien sûr, oui, elle est engagée, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Les gens qui arrivent là, qui se proposent aux élections législatives, il ne faut pas. Voilà, ils n'arrivent pas comme ça par hasard. Hein. Et les gens qui les mandatent, qui les poussent à l'avant, ils savent qui c'est qui pousse et leur histoire. Donc, non, elle n'est pas arrivée par hasard. Après, elle a une approche un peu, on va dire, disons, pas comme tout le monde. Enfin, un peu Ruffin, quoi. Voilà, c'est un peu le Ruffin d'Aubenas. Elle propose de. Mais elle voudrait prendre. Elle veut, c'est pas elle voudrait, elle veut prendre son salaire de prof comme indemnité de parlementaire et le reste le verser à des associations bon, caritatives, enfin bon, des associations caritatives principalement, dans le bassin dans son bassin de vie, quoi, évidemment. Pas, au local, quoi. Voilà, voilà, son bassin de vie. Et elle voudrait faire qu'un mandat, ça évitera de. Donc les... un seul mandat, attends, voilà. Donc elle ne veut pas en faire une carrière. Non, non, elle a 53 ans. Ouais. Donc voilà, 5 ans, ça lui fait 58. On espère que la retraite sera 60 ans, donc elle sera quand même la retraite. Et en plus, ça éviterait un seul mandat. Enfin, c'est le maire qui dit 3 mandats maximum. D'ailleurs, il ne se présente plus. Donc voilà, c'est quand même, il y a quelques-uns qui ont des idées comme ça. C'est pas que, mais enfin, bon, c'est 3 maximum. D'ailleurs, il ne se présente pas. Et ça éviterait la République des coquins et des copains. Ouais. Voilà, ça éviterait certaines. Les petites magouilles entre voilà, amis. Voilà, les passe-droits et les pistonnages voilà, abusifs. Et après, ce qu'elle veut faire, c'est mettre en place, pour elle, évidemment, le RIC. Donc voilà, se remettre en question et toujours être là, être obligé de, voilà, d'avancer, et pas pour elle. Parce que là, avec le RIC, c'est la société qui est concernée. Donc le référendum, et là, on tiendrait compte des résultats du référendum, exceptionnellement. Voilà. Hein, oui, ça serait pas de... Voilà, ça serait original. On le mettrait pas sous le coude quand ça arrange pas. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Tu as raison de nous rappeler que... François Ruffin, parce que c'est vrai, je crois qu'elle va nous pousser très loin. Florence Palou, je crois qu'elle va nous pousser très loin. Elle le rappelait, disons, dans le débat, j'ai regardé un débat, elle parlait de Jean-Jacques Rousseau, elle est très Jean-Jacques Rousseau, enfin bon, elle est prof de philo, donc ça ressort, mais c'est quelqu'un qui aime les autres, elle ne travaille pas, en guillemets, pour sa gueule, hein. Elle est pour les autres, elle est pour une société plus solidaire, elle n'est pas née hier, hein, elle connaît, elle est engagée à gauche, c'est une femme qui a l'habitude, qui connaît notre terrain, elle est née ici, en Ardèche, hein, et elle est engagée, elle connaît Paris, elle ne va pas être surprise de l'Assemblée nationale, bon, elle n'a pas été élue députée encore, mais ça va venir, on a confiance. En oui, puis elle est très sensible à l'écologie. Elle est très sensible à l'écologie. Ça ne sert à rien d'avoir la retraite à 60 ans si la moitié de la planète est surchauffée et qu'on ne peut pas y vivre. Ça ne sert à rien de le RIC, si le SAS, si on continue à réchauffement climatique. Là, on va se faire des annonces. Bon, le GIEC, il a motivé la sonnette d'alarme, il y a toujours des gens qui essayent de ne pas en tenir compte. Mais bon, si, il y a beaucoup d'experts qui vont dans le même sens pour le réchauffement climatique, les zones équatoriales qui seraient invivables pour l'homme, mais aussi pour tous les animaux, parce que si l'homme arrive encore, vu son intelligence, à échapper aux journées invivables, tous les animaux ne voilà, ils pourront pas. Et donc, si c'est pour trouver seul sur Terre, le but est... Ouais, c'est, on n'ira pas loin. Déjà qu'avec toute la disparition de la faune et de la flore et des insectes, déjà ça pose de gros problèmes pour beaucoup de choses. Si en plus il y avait des zones entières qui deviennent désertiques, ben on va être ouais, un peu entassé, quoi. Alors on va arrêter sur ce sujet-là, peut-être si tu veux bien, parce que en même temps tu nous avais parlé d'une intimidation qui t'a choqué un peu, Maya. J'ai vu ça cet après-midi, une jeune fille, j'ai oublié son nom, hein. Une jeune fille qui s'est adressée au président Macron qui était en visite dans sa ville, c'était un bain de foule, et apparemment, je mets un petit peu des guillemets à tout ce que je dis parce qu'il faudrait vérifier quand même, hein. Elle aurait subi une agression sexuelle et elle s'est adressée au président en lui disant « comment est-il possible ?» que vous nommiez ministre une personne qui a agressé sexuellement des femmes. Deux personnes en plus. Ouais. Puisque Darmanin... Darmanin s'est classé sans suite. Théoriquement, c'est classé, voilà. Oui, bah, elle est bien placée, ministre, comme il est, avec son copain Dupond-Moretti, pour classer les affaires sans suite. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été classés sans suite. Et c'est pas la première fois que Darmanin, d'ailleurs, a été interpellé, je crois...
oui. dans le public. Il y a déjà eu quelqu'un qui, qui a interpellé, qui avait crié, violeur. Ah, il faut que tu poursuives, Mania, parce qu'on ne sait pas tout. Et cette jeune fille, donc, qui est une lycéenne, hein, qui est toute jeune, elle dit ça à M. Macron très poliment, hein, il n'y a pas eu du tout d'incorrection de sa part, et pas plus. Donc ensuite, elle va en cours. Et là, la proviseure l'appelle dans son bureau, donc elle y va, et elle se trouve face à deux gendarmes qui lui disent d'abord qu'elle peut porter plainte si elle le souhaite pour son agression sexuelle, et puis qui continuent en lui disant que ça ne se fait pas de parler comme ça à un président, que c'est ça va pas, etc. Et donc, elle était un peu estomaquée, elle leur dit, mais moi, j'ai rien fait de mal, hein, je lui ai juste dit... je vais juste parler de cette affaire-là. Et voilà, enfin bon, donc elle a été reçue par deux gendarmes. Elle s'est fait un petit peu... les bretelles, entre guillemets. Rappeler à l'ordre. Voilà. Les gendarmes, ils sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur parce qu'ils se sont excusés par la suite. Donc en général, quand on s'excuse, c'est qu'on se sent un peu responsable de la situation et qu'on se dit peut-être qu'on a fait quand même une bourde. Oui, à mon avis, c'est pas anodin s'ils se sont excusés. Hein. C'est parce qu'il y a dû y avoir des échos, là. Ils ont reçu quelque chose dans l'oreille. Voilà, hein. Oui, puis c'est monté sur les réseaux sociaux. Ça a été vu de nombreuses fois. Donc, évidemment, après, voilà, ça fait moins d'images, quoi. Ou ça faisait partie de la stratégie, hein, parce qu'il devait bien se douter, quand même, que la chose allait faire du bon. Oui, après, voilà, c'est compliqué à savoir. Voilà, alors bon, donc on sait que dans ce deuxième tour qui aura lieu dimanche prochain, on va se retrouver avec peut-être encore un espoir d'arriver à avoir suffisamment de députés pour un autre monde, ce que l'on a essayé de décrire un petit peu ce soir. En même temps, c'est vrai que la Macronie sera facilement compatible avec LR. Puisqu'on l'a vu. C'est LR qui est compatible avec Macron. Voilà, LR viendra en secours, des lois liberticides ou pour des lois sur le pognon. Oui, M. Bon l'avait dit d'entrée, il avait dit qu'il était compatible d'entrée aux élections. Après les élections, il a dit qu'il était compatible avec la République en marche. Ouais. Donc il a assumé. Après, maintenant, il ne veut plus assumer parce que sur ses affiches de campagne, il n'y a plus le slogan de LR dessus. Donc voilà, avec leur 4,7% comme ça aux élections, ils se mettent hors parti, on va dire. Alors, faut peut-être se poser la question, quelle société vous voulez ? Voilà, si vous ne voulez pas de loi liberticide, si vous ne voulez pas de loi sur le pognon qui nous massacre encore un petit peu plus. À quel âge vous voulez partir en retraite ? 60 ou 82 ans Plus MIG à 1500 euros, minimum pour les jeunes. Enfin voilà, il y a un tas de choses dans le pot commun Et ne croyez pas ce qu'il nous explique en nous disant que c'est pas financé, etc. Il y a du pognon qui part tous les jours ailleurs. Hein, parce que le problème, c'est les émigrés fiscaux. Oui, fiscaux. Oui, entre les évasions fiscales et les paradis fiscaux et les optimisations fiscales, il y a de quoi gratter et faire prendre des sous. Mais c'est vrai que ceux qui font ça ne sont pas tellement chauds que le vent tourne. Voilà. Bon, à bientôt. À bientôt. Bonnes vacances. Allez. Très bonnes vacances à tous. Moi, je suis comme les chats. J'aime pas l'eau. Allez, au revoir. Super. Ciao.